la voiture ici. La voiture qui est au milieu, il y a une dame qui est à l'intérieur qui est bloquée. C'est à la rue Ministre en face de l'hôpital des Sœurs. Pardonnez aussi, les sapeurs-pompiers sont dans la zone. Pardonnez, venez intervenir. Il y a une dame qui est dedans. Il y a deux personnes dans la voiture. La c'est quelle voiture même? La Mazda. La Mazda qui clignote. Il y a deux personnes qui sont bloquées dedans. Relayez rapidement pour que quelqu'un vienne les sauver. On ne peut pas sortir, le niveau de l'eau est trop haut. Pardonnez, faites circuler rapidement pour que les gens viennent. C'est à la rue Ministre. En face de l'hôpital des Sœurs. Juste après la bus ici. Il y a une dame, il y a deux personnes qui sont bloquées dans la voiture. Le niveau de l'eau est trop haut. Personne ne peut partir. Les gens essaient, mais ils se retournent. Pardonnez, oh, relayez. Relayez. Il y a des gens qui essaient, mais ils n'arrivent vraiment pas. Relayez, on préfère perdre nos voitures, on ne veut pas perdre en vue humaine, pardonnez. Partagez rapidement pour que les gens, s'il y a des pompiers dans la zone, pour que les gens viennent. La dame est bloquée dans sa voiture. Comment tout ça va? Vous voyez le niveau de l'eau, on a environ à 1,5 mètre niveau d'eau. Environ à 1,5 mètre, là on ne peut plus rien faire pour nos voitures. On préfère perdre les voitures. Mais au moins on peut sauver une dame. Elles sont deux à l'intérieur. Regardez, il y a un monsieur qui essaie. Mais ce n'est pas évident parce qu'il y a une autre voiture qui a coincé. Vous voyez, elle essaie mais ce n'est pas évident. Pardonnez, relayez rapidement. Relayez rapidement, la femme est prise au piège. Elle ne peut pas. Elle ne peut plus sortir. Elle est condamnée. Pardonnez, partagez rapidement. Oh, oh. Maintenant, elle est coincée. Seigneur. 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 Partagez, oh, partagez. Il y a deux personnes bloquées dans la voiture. On ne peut pas sortir. Le niveau de l'eau, on est environ à 2 mètres. Pardonnez. Ok, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Il y a une qui commence à sortir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hé, hey, hey, tu vas risquer ta vie à cause de voiture. Hé, madame. Hé, hey, Seigneur, faut pas l'eau va partir avec eux. Le voilà, le monsieur a pu ouvrir la voiture. À l'arrière. Il y a un monsieur qui a pu ouvrir la voiture. Ah, les deux sont sortis. Les deux sont sortis. Dieu merci. Maintenant, il reste le niveau de l'eau. Eh Seigneur. Eh Seigneur. À quoi de voiture tu vas mourir? La dame que vous voyez là, celle-là, quand le niveau de l'eau n'était pas encore monté, elle allait s'asseoir dans la voiture. Elle voulait enlever l'eau dans la voiture. Nous étions le monsieur, les deux allaient mourir. Maintenant tu as peur. Maintenant tu as peur. Seigneur, paniquer, c'est pas bon. Hein? Doucement, doucement. Elle n'est pas enceinte. Merci mon frère. Bravo. Merci. Cela a ajouté 10 ans de ta vie. Merci beaucoup. Madame, merci. Madame, merci. À quoi de voiture tu vas mourir? À quoi de voiture tu vas mourir? Tu ne sais pas nager, tu vas t'enchaîner dans ta voiture. Toutes les voitures qui sont ici là, moi-même je suis en train de pleurer. Pour moi aussi, elle est dedans. Tu as donné problème à tes parents. Merci, matériel là, c'est quoi? Merci mon frère. Frappez-la là, là-bas pour moi. Merci. Frappez-la là-bas pour moi. Donc on a la palmeraie, l'eau est trop montée, on ne peut plus rien.
on ne peut plus rien. Juste qu'il ne faut pas que ça tue quelqu'un. Nos voitures n'ont qu'à partir, on s'en fout. Bon, mais si on a envie, c'est bon. C'est l'argent qu'on a cherché pour acheter. On va chercher encore. Madame imbécile. Hé, hey, Alix, ma voiture est partie encore. Oh. Ma voiture est encore dedans. Moi, ta voiture, on a oublié, mais à cause de la femme.